beaucoup. J'ai le ventilateur, je suis désolée, mais sinon c'est pas possible. En même temps, là j'ai mis une micro-cravate. Normalement, ça va choper que ma voix et ça va moins parasiter. Présentation box de juillet. On va commencer évidemment par le cadeau de la box Gold. C'est donc la marque Monsieur Durand. Je suis tellement contente. C'est un créateur qui fait des sacs donc en édition limitée. Il coûte 190€ quand même. Pour info, si vous êtes intéressé et que vous voulez passer une commande, il faut aller sur son lien Insta que je mettrai en barre d'infos, lui envoyer un petit message en MP, lui disant que vous venez de ma part, entre guillemets, et vous aurez une petite réduction, donc ce qui n'est pas négligeable. Alors déjà, le sac est livré dans cette grande toile en coton avec la marque qui est juste ici. Il a glissé en plus un petit mot comme ça pour la gagnante. Félicitations, profitez bien de ce sac. Bien à vous, Alexandre, Monsieur Durand. Et je vous montre. Regardez, donc j'ai déjà fait une photo hein, sur l'Insta si vous voulez le voir porter. Parce qu'évidemment, avec les motifs Vichy et ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais là, on se concentre sur ce magnifique sac, donc très estival au niveau des coloris. Donc en fait, l'anse, c'est une ceinture avec une grosse boucle comme ça. Il s'agit du sac de la gamme A. Je vous dis, hein, c'est vraiment des pièces, il y en a très peu. Et en plus, à l'intérieur, il y a une petite pochette qui permet de mettre pas mal de petites choses, hein, tout simplement, son nécessaire, son portefeuille, son porte-monnaie. Et c'est accroché avec un petit lien comme ça. Évidemment, c'est une fabrication française. On est vraiment sur une pièce mixte, hein, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. J'aime beaucoup. Et puis, on peut mettre vraiment tout un tas de choses. Il me semble que c'est de la toile de transat. C'est une toile qui est vraiment très dense, très épaisse et solide surtout. J'en connais une ou j'en connais un qui va être content de le recevoir. On est donc parti pour la présentation de la box de juillet. Je commence comme toujours par le flyer. Gros coup de cœur, hein. Hyper coloré. Je trouve qu'il est tellement harmonieux, tout match. Très bien. Je l'adore. Évidemment, derrière, nous avons le déroulé du menu. Le thème ce mois-ci, 1, 2, 3, soleil. Le traditionnel, évidemment, papier de soie à pois quand on ouvre. Et ce mois-ci, je vous ai tout mis dans un pochon qui vous permet de mettre vos maillots de bain, vos petits produits solaires, ce genre de choses. Parce qu'à l'intérieur, nous avons un plastique qui est spécifique. On est sur un format éponge avec un lien. C'est hyper tendance. Alors, vous allez voir qu'effectivement, sur la présentation, sur le flyer, il y a marqué qu'il y avait la possibilité de l'avoir en vert comme ça, tie and dye ou rose. On partait sur le vert, hein, ce qui est vraiment la couleur de cet été, parce qu'au début, on pensait qu'il n'y aurait pas suffisamment de tissu. Et donc, on avait un petit plan B. Mais au moment où j'ai lancé la production des flyers, on s'est rendu compte que c'était bon, il y en avait suffisamment, elle avait suffisamment de tissu. C'est de la marque Lilou. Vous allez voir, chaque pochon est unique, hein, puisqu'on est sur du tie and dye, il y a des liserés, il y a des petites taches. Enfin, ce n'est pas des taches, c'est fait exprès. Hein, un peu partout, c'est au moment de la teinture. C'est vraiment ce qui lui donne son côté unique. Je me demande si j'en ai pas un deuxième pour vous montrer justement à côté les différences. Donc à l'intérieur, comme je vous disais, tout est plastifié. En plus, ça tient bien frais. Jaune fluo, ça se marie super bien. La dimension, en fait, c'est 28 cm par 18. Je vais sortir ce qu'il y a dedans pour vous montrer un petit peu la capacité. Donc là, j'ai mon maillot de bain. Hop! Je vais mettre ma crème solaire et je vais même mettre mon boîtier de lunettes de soleil. Et hop, j'ai encore de la place. Regardez, c'est hyper pratique. Franchement, il est tout mimi, il est tout doux le côté éponge. Et la petite étiquette finit vraiment bien le pochon. Donc le pochon coûte 25€ et je vous invite vraiment à aller sur le site de la créatrice. Elle fait des trucs trop mimi en éponge, des petits shorts, des petits hauts, d'autres sacs, d'autres... Enfin, c'est hyper joli. Et je vous ai glissé la carte de la créatrice avec toutes ces informations. Je poursuis avec le bijou. Alors ce mois-ci, je vous avais dit que c'était un bijou qui allait être un petit peu particulier. C'est un bijou
2 en 1. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le porter normalement, enfin de façon classique, plus ou moins long. Mais c'est un collier de dos qui est amovible, comme je vous disais. Soit tu mets le petit pendant, ce qui est joli quand tu as un décolleté. C'est pour ça que j'ai mis ce haut, parce que je... Enfin, il me semble. Attends. Oui, au niveau du dos, c'est un peu décolleté. La créatrice du bijou est Floralia. C'est une créatrice qui fait notamment énormément de bijoux pour les mariages. Le pochon, elle a tout... Elle a fait le flocage, peut-être flocage, je pense qu'on dit. Regardez jusqu'au détail de la carte. Elle a mis une petite fleur sur chaque carte donc séchée. Il est super joli. Donc je vous montre quand même de près. Voilà, ça c'est ce qui va être au niveau du dos. Voilà, c'est donc un pendentif goutte et la pierre c'est de l'hématite. Je pense que le mieux c'est que je vous fasse la démonstration. Donc on va le mettre avec, évidemment, le pendentif. Mais encore une fois, je le répète... Chacun est libre. Alors voilà ce qu'il donne. Portée. Donc ça se passe ici, évidemment. Le pendentif est ici. C'est très joli. Très, très, très joli. Attends. Ah oui, c'est vrai que mon petit haut, je peux le mettre comme ça aussi. C'est ravissant. Donc, ce collier coûte 30 euros. Voilà. Et c'est fabriqué dans l'Aube, dans la région Grand Est. On continue avec... Un article que je teste, comme toujours quand il s'agit de produits cosmétiques, soit du make-up, soit du soin. Encore plus le soin pour voir comment ça évolue. Et croyez-moi, donc c'est une exclusivité box le boudoir. Ça n'a encore jamais été dans des box. J'adore quand c'est comme ça. Je déniche les trucs et que j'arrive, ça arrive à matcher. Donc je l'ai testé sur un bon moment, hein, mais vraiment un bon moment. C'est un produit qui est exceptionnel. J'ai eu des résultats très rapidement. Il s'agit en fait de petites dosettes de sérum tenseur. Vous allez me dire, oui, t'as déjà mis un sérum. Alors oui, mais ça faisait un moment. Mais là, c'est vraiment des one shot. C'est-à-dire que tu vas le mettre le matin, le soir. Moi, je mets les deux, matin et soir. Si vraiment tu veux un coup d'éclat pour avoir bonne mine, ou le matin avant de partir au travail, ou le soir avant une soirée. Et à force de le mettre, vous allez voir les résultats, c'est formidable. Alors en plus, la compo, elle est hyper clean. On est sur un produit français à base d'algues. Il s'agit de la marque Ophi. Sérum super tenseur soin visage Made in France. Ça se présente comme ça. Vous allez avoir 5 pipettes. En plus, ce qui est top, ce sont des pipettes. Donc tu peux les utiliser sur... Une pipette, moi, ça me fait 2 jours, 2 jours et demi. Tu peux mettre que quelques gouttes, ça suffit. Et donc, les 5 pipettes, soit tu en mets le matin et soir, auquel cas, ça va te faire une semaine, ou soit juste une fois et ça va faire 15 jours. Et donc, on l'utilise, on déclipse, on vient tourner. Et en fait, tu peux, de l'autre côté, tu viens le refermer en le clipsant, en mettant le petit embout qui est là de l'autre côté. J'adore vous faire découvrir ce genre de marque. Surtout quand il y a des résultats comme ça. Hein. Vraiment, j'attends vos retours. Comme je vous ai dit, donc ça va venir lifter, hydrater évidemment, mais faire cet effet tenseur. Ma peau est beaucoup plus belle depuis que j'ai commencé en fait le traitement. Dans la box, il y a ce fascicule explicatif avec évidemment toute la compo, comment on l'utilise, pour quelle problématique, ce genre de choses. Fabriqué en Bretagne, 99% d'origine naturelle, c'est à base d'algues. C'est pour ça que dans le mood board, il y avait une petite algue. Testé dermatologiquement, sans agents fluorescents, sans métaux lourds, sans alcool, sans huile minérale, sans parfum, sans pigments. Je reprends mon petit flyer pour pas me tromper. C'est composé donc de mer pure. C'est une formule qui est innovante et en isotonicité. Avec l'eau physiologique des cellules en parfaite affinité avec l'épiderme, elle délivre les oligo-éléments et les sels minéraux en concentration équivalente à celle des cellules qui retrouvent toutes leurs énergies et leurs capacités intrinsèques. Takeaway, un format contenant 5 doses, vous permettant de découvrir le produit, de vous assurer un traitement sur une semaine, matin et soir, ou 15 jours en l'utilisant uniquement le matin. C'est donc en vente sur leur site, ce format à 15 euros. On continue avec le produit, je vous avais annoncé du maquillage et je vous ai mis, j'ai mis du temps à choisir, un rouge à lèvres, petit rouge à lèvres de l'été. Je suis très contente de travailler avec la marque Last, qui a été dans très très peu, ouais, en tout cas des petites box comme moi, je crois que je suis la seule. Je vous ai choisi un rouge à lèvres liquide longue tenue, c'est le 110 Pink.
Nude. C'est un rouge à lèvres qui est vegan. C'est donc un fini mat sans transfert. En plus, la formule, elle est vraiment très très bonne. Hautement naturelle. Le packaging, j'aime beaucoup. Regardez comme il est joli ce rouge à lèvres. C'est également cruelty free. C'est enrichi en huile de jojoba et en extrait de figue de Barbarie. Sa texture soin, non desséchante, offre un confort irréprochable. Tolérance testée sous contrôle dermatologique. Est-ce qu'on se le teste? Bah oui. Je vois sans voir, hein, je vous le dis direct. En fait, c'est un écran noir, hein, c'est pas une glace. Voilà. Il est vraiment super plaisant à porter. Je me mets comme ça parce que j'ai l'impression qu'on voit mieux de profil, non? C'est un rouge à lèvres qui coûte 24 euros. Donc si on fait le point de cette box, nous avons le collier à 30 euros, le petit pochon qui coûte 25 euros, le rouge à lèvres qui coûte 24 euros et le soin sérum tenseur à 15 euros. Ce qui nous fait une valeur produit dans la box de 94 euros. Alors, je ne sais pas si tout le monde a vu ma précédente vidéo. Il y a des modifications qui vont arriver au niveau du tarif de la box au 1er septembre. Je ne vous redis pas tout ici. Je vous invite à aller voir la vidéo, ça sera plus simple. Je vous la mets en barre d'infos dans tous les cas. Et évidemment, nous sommes passés à celle d'août. Les créations sont en cours, ça va être également une super box. Je vous dis, les box qui arrivent, celle de la rentrée, tout ça, ne passez vraiment pas à côté. J'espère en tout cas que cette édition, cette nouvelle édition de juillet vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve très vite pour la suite des vidéos. Ciao !